salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens on va faire les 50 km du trail d'Alsace Grand Est. C'est la première fois que je suis en Alsace, je connais pas du tout la région et là c'est la première vague qui passe, donc départ à 7h du matin et moi je suis dans le SAS 2. Donc à 7h15. J'ai pas couru depuis une semaine et demie, mais vraiment quand je vous dis que j'ai pas couru, c'est zéro run. Parce qu'en fait j'ai mal aux genoux. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre sur cette course, mais bon, on verra bien. Oh, attention, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et on peut les applaudir, cette vague qui est exceptionnelle. Allez, c'est parti. Petite astuce, vous pouvez prendre un café ici avant le départ. Oui, franchement. Bon, en tout cas, c'est cool, il fait beau. Grand soleil, ça c'est nickel. Donc le départ, c'était à Barre. Et on va se diriger gentiment vers Obernai et faire 50 km, sachant que qu'effectivement, entre cette ville-là et l'arrivée, il n'y a que 7 km et quelques de distance. Mais nous, on va faire 50. Voilà, voilà. Et, du coup, le D+, il y en a 2000. Allez, 5e kilomètre, ça n'arrête pas de monter et descendre. Et sinon, bah, y a un petit peu, y a quelques bouchons, mais ça va, ça avance quand même. On était allé à Dabou. Allez, kilomètre 8. Ça va, pour l'instant c'est pas trop technique. C'est plus ou moins roulant. Ils avaient dit que ça allait être très boueux. Et pour l'instant en vrai ça va. On verra pour la suite. Bravo. Il y a clairement trop de choses à filmer que j'arrête pas d'allumer et d'éteindre ma caméra. Tellement que c'est chouette. Ouais, on va vite. Oh, cool. Ça c'est sympa, ça indique un peu tout. Allez, 9e kilomètre, très beau paysage. On va aller dans la forêt, ça c'est cool. Et il y a la montagne derrière. Et franchement, on a trop de la chance là, il fait super beau. Ça c'est vraiment chouette. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin. Parce que il me semble qu'hier il a plu. Enfin en ce moment il arrête pas de pleuvoir et tout. Là ça fait du bien là, le soleil. En plus il fait pas trop chaud, il n'y a pas de vent, pas trop froid, c'est nickel.
Salut. Allez, 10 km. C'est un tout petit peu plus technique. Enfin, je parle pour moi, hein, parce que bon. Les vrais trailers, pour eux, c'est du pipi de chat, hein. On est d'accord. Pour eux, c'est très très roulant. Là, ça glisse bien. Les racines. Là, ouais, ça descend bien, là, ça glisse. Faut faire gaffe. Il y a la file d'attente pour qu'on traverse, c'est un truc de ouf. Les gens, ils doivent nous haïr quand c'est comme ça. Bon, les amis. Bientôt 18e kilomètre, ça va pas du tout. Donc franchement, je me tâte à DNF parce que en fait j'avance pas sur les portions roulantes à cause de mon genou qui me donne des coups de poignard assez aigus. Et en fait, à chaque fois que je cours, j'ai l'impression qu'il va lâcher en fait. Donc c'est pas du tout rassurant. Et j'ai pas très envie d'aggraver ma situation, sachant que j'ai pas couru donc du tout pendant une semaine et demie. J'avais senti le début de douleur, donc je fais vas-y, je vais faire une pause et tout, parce que j'ai fait beaucoup de RP sur marathon, sur semi, etc. Et je me suis dit bah c'est le moment de faire une pause, et j'ai prolongé ma pause parce que je voyais que la douleur en fait était toujours présente. Et je me suis dit que une semaine et demie ça allait le faire et tout, et en fait j'ai l'impression que ça a pas du tout, la douleur elle a pas du tout évolué dans le bon sens. Elle a stagné en fait pendant une semaine et demie. Donc c'est un peu inquiétant, c'est comme si en fait la pause d'une semaine et demie, c'est comme si ça avait rien fait. Et j'ai pas l'impression en fait que ça soigne rapide, tu vois. Le seul moment pour DNF, c'est au moment des ravitaux. Donc je ne sais pas du tout quand ce sera. Donc on va poursuivre jusqu'au ravito. Et je pense que ce sera la fin. Là où je suis censée grappiller des kilomètres, c'est sur les portions plates où d'habitude je trace plutôt bien. Et là vraiment, tu vois, là c'est idéal pour courir. Mais là vraiment impossible de courir. Et je suis limite en train de boiter, tu vois, donc c'est... je vais peut-être pas faire la course jusqu'à la fin comme ça, tu sais, en souffrant. Enfin, c'est dommage, hein. Parce que en vrai, je pourrais serrer les dents et aller jusqu'au bout, mais ce serait pas, tu sais, ce serait pas hyper bien, toi, pour mon genou. Ce serait flinguer mon genou. Donc, toi, soit je prends la sage décision. Ou soit je choisis le pas raisonnable et c'est pas ouf quoi. Allez, bravo. Et ça me saoule un peu parce que à part le genou en fait je me sens super bien. Toi niveau cardio c'est nickel, le reste de mon corps c'est nickel. C'est vraiment la loose. Mais bon, tant pis. Je pense que là je vais m'arrêter. Quand il y aura le ravito, je sais pas quand c'est. J'espère que c'est bientôt. Non. Allez, kilomètre 24, bientôt le ravito pour abandonner. Et là, en face de nous, on a un superbe, je sais pas, château. On va dire un château. Je pense qu'on va se diriger en haut, je sais pas. En tout cas, c'est beau.
Donc là, bah, y avait une très très longue descente où tout le monde m'a demandé si ça allait. Et tout le monde, y a eu 1 milliard de coureurs qui m'a doublé. Donc ça n'en finit pas. Voilà, voilà. Tu peux pas DNF où tu veux, c'est que au ravito. donc voilà. C'est pour ça que j'attends le ravito, quoi. Et on a des chemins propres, non techniques, où je pourrais courir. C'est hyper frustrant. À tout à l'heure. Ravito du 27e, finalement. C'est ici que le chemin s'arrête pour moi. Ah, j'ai trop faim. Ça, c'est de la montée. Hein. Eh ben, ouh. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi je suis encore là, en fait. Moi-même, j'en sais rien. Parce que effectivement, je devais DNF. Je sais pas, j'en sais rien. Je me suis dit, vas-y, en marchant, j'ai pas trop mal. La douleur est supportable. Donc, je me suis dit, quitte à abandonner, autant que ce soit les barrières horaires, toi, qui me jartent. Donc, bah, j'avance, puis bah, on verra bien. On verra bien pour les barrières horaires. Parce que là, vraiment, en marchant, ça passe. Et par contre, je peux pas courir, donc. Donc voilà, à voir. Et nous sommes au 32e kilomètre. Après, j'avais aussi envie d'avancer parce que. J'avoue, le paysage est top. Regardez ça. Et il y a une très bonne ambiance. Les ravitaux sont corrects. Donc c'est cool. Je me suis dit, vas-y, j'avance. Je veux voir la suite du paysage, tu vois. Ben là, nous avons un long passage de descente, mais avec de la boue ultra glissante. Donc voilà, la boue s'invite sur le parcours. C'est quoi ce terrain là? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai cru comprendre qu'il fallait passer au milieu. Oui, c'est moins dangereux. Mais pourquoi? C'est moins dangereux pour les chevilles. Ah, ok, ça marche. Et puis, au secours. Et à gauche dans l'herbe. À gauche dans l'herbe là. Ouais. Ok. Ah oui, ok, merci. Je me dis, il y a peut-être moyen que je sois finisher et que je passe avant de me faire jarter par les barrières horaires. Donc je vais prendre ça comme objectif, tu vois. Ah, une impression de déjà vu. Je passe par où là du coup? Là? D'accord. Ouais, c'est... Je suis pas convaincue en fait. Ah. Wow. Merci. Bon, et eh bien on arrive au ravito du marathon, hein. 42 km. C'est un très beau petit village. Ça fait grave du bien. De sentir comme ça là que les gens sont sympas et tout, c'est trop cool. Merci. Et allez, les maisons, bravo. C'est chouette. Vous arrivez au ravito là, super. Ah, parfait. Ah, ah oui. C'est pas mal. Oh, on est bien. On est bien. Oh waouh, vous êtes trempés. Allez. Donc je vois que c'est jusqu'à 16h30. Ah bah ça va. Bon, il reste un petit peu plus d'une heure quoi.
Et faut que j'arrive à Aubernais avant 18h. C'est cool. C'est de la pastèque. Oui. Eh ben très bien, je vais prendre ça. S'il vous plaît. C'est dégueulasse, mais trop soif, quoi. Donc voilà, rien à foutre. Allez, kilomètre 46. Il reste 4 kilomètres. Bon, après, je relativise parce que c'est cool quand même d'être finisher, même si j'ai un genou en vrac. Wow, c'est super stylé. Oh, le paysage de ouf. Ah, pour la petite anecdote, je vais mettre le même temps que l'éco-trail de Paris, 82 km. Genre, super. Ah, je suis ravie. Pour un pauvre 50 km, je mets autant de temps qu'à 82 km. Ouais, voilà. Mais c'est quoi cette pente là à 20% là? C'est horrible. Quel enfer. Bon bah finalement je crois que ça fait pile 50 hein. Ah, il reste à peu près 300 mètres. Là franchement ça se voit pas mais là je suis en sprint. C'est ma vitesse max. Je suis en sprint là. C'est dur. Des escaliers quoi. Cool. Oh. Wow, c'est génial. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah, on est content. Ah oui, les escaliers de la fin. C'est pas des marches, c'est déjà pas mal. Quel enfer. Ouais, merci. Faut pas avoir le vertige ici. L'Elisa, qui est encore plus loin, le château de Troyes. Ouais. Il y en a tellement que. Elle est pas très fraîche, la Elisa. Magnifique. Bien joué, Elisa. Tu remportes ton défi. Comme Wanouk. Bien joué, Jean-Luc. Jean-Luc et Elisa qui passent la ligne. Bien joué. Ouais. Il partira 2000. Finira 2500. 17h pile, quoi. C'est pas tout, mais en fait j'ai pas trouvé les toilettes au dernier ravito et du coup j'ai une grosse envie de pisser de ouf. C'est où les toilettes? Super, bravo Elise. Merci beaucoup. Génial. Merci à vous. Les toilettes c'est... Après, vers le camion noir là-bas. Oh, ah oui, c'est vrai, oui, ok. Ah, ah oui, c'est la chope de l'année. C'est très important, le petit verre. Et je vous explique que bois pour boire et manger, c'est sous la halle ici. Les 50 km du trail d'Azas, c'est terminé et on se retrouve dans longtemps parce que je dois me soigner. Je pense qu'au mois de juin, je vais pas faire de course. Et du coup, on se retrouve, j'espère, début juillet parce que j'ai des grosses courses à faire. Enfin, j'ai 4 courses à faire au mois de juillet sur 2 semaines. Ça va être le trail des passerelles sur 4 petits formats. Alors, on se retrouve début juillet. Allez, ciao!